Encore un petit effort, Grison, et nous serons arrivés. La rivière ne doit plus être loin. C'est toujours la même chose. Plus on avance, plus cette maudite rivière s'éloigne. C'en est un. Allons prévenir notre chef Patronymo. C'est intolérable! Nous avions enfin rétabli la paix avec les Apaches et voilà qu'ils redeviennent très nerveux. Il faut savoir pourquoi. J'ai l'impression que vous allez me demander d'aller faire un tour dans la région, colonel. Exact, Luc. Vous êtes le seul sur lequel je puisse compter. Vous connaissez le pays comme votre poche. C'est vrai, mais je comptais prendre des vacances. Des vacances? Vous... Mais pour aller où? Dans les Rocheuses. Ce serait bon pour mon cheval Jolly, qui est allergique à l'herbe à poux. Voilà qui est nouveau. Votre cheval a l'air d'être en parfaite santé. Bah, vous entendez? Désolé, Lucky Luke. J'ai un ordre de mission de Washington vous concernant et... Vous avez gagné, colonel. Si c'est un ordre, j'irai chez les Apaches pour essayer d'empêcher la guerre. Merci, Lucky Luke, et bonne chance. Oui, ça va, Jolly. C'est plus la peine. Au revoir, colonel. C'est fou ce qu'on obtient avec du papier blanc et un peu d'autorité. Colonel, n'oubliez pas d'établir un véritable ordre de mission sur format réglementaire cette fois. Hola, Grison! Hola! Des clients! Vous désirez quelque chose, messieurs? Tabac, chiquet, vaisselle, outillage, lingerie? Non, ta galette. Mais certainement, messieurs. J'ai des galettes croustillantes, délicieuses, vous m'en direz de... Mais on veut de l'avoine. Ah, bien sûr, pour vos chevaux. T'as pas compris, le blé. Mais décidez-vous, l'avoine ou le blé? L'oseille, la fraîche. De l'oseille bien fraîche, mais certainement. T'as pas compris, des radis. Des radis? Ah, certainement, ils sont pleins de vitamines. Ton argent, pied tendre, ou t'es un homme mort. Oh. Des ennuis, colporteur? Oh, la route est parfois dangereuse. Comment vous remercier, monsieur? Monsieur? Luc. Lucky Luc. Andy O'Toole. Et puis-je vous offrir une selle neuve, une bouteille de Bourgogne de Chicago, une robe pour Madame Luc? Je n'ai besoin que d'un peu de repos, monsieur O'Toole. La journée a été rude. Alors vous êtes mon invité à dîner. Je suis le représentant exclusif de ces meubles pliants. Nous commencerons par une bisque de homard et nous terminerons par des profiteroles au chocolat. Le tout arrosé de champagne du New Jersey. Mais c'est toujours aussi varié. Merveilleux dîner. Mais si vous le permettez, je vais me coucher maintenant. Attendez, je vais installer votre chambre en un clin d'œil. Ces tentes sont très confortables. Regardez. C'est la chambre Versailles. Gros succès sur la côte Est. Je vais dormir dans mon chariot. Bonne nuit, monsieur Luc. Bonne nuit, Jolly. Bonne nuit, Grison. Où allez-vous maintenant? Vers l'ouest, c'est mon territoire. C'est le mien aussi, mais le pays n'est pas sûr. Je vais vous faire un brin de conduite. J'apprécie votre escorte, monsieur Luc. Je suis un paisible commerçant et je ne vaux rien dans la bagarre. En principe, les Indiens de la région ont enterré la hache de guerre. Les Indiens, faites le cercle! Mais quel cercle? Quel cercle? Ah oui, oui, excusez-moi, c'est l'habitude. Allons nous abriter derrière les rochers, là-bas, au pied de la falaise. Mettez-vous à l'abri. Je vais essayer de les retenir. Nom d'un chien, l'épisode n'est pas fini. Que faire? Plus de munitions, nous sommes perdus. J'ai ce qu'il faut.
commencer par celle-ci, c'est la qualité supérieure. Ils se tiennent hors de portée, mais ils nous assiègent. Ils veulent nous avoir par la faim. Ils ne nous auront pas. Vous aimez le soufflé au fromage ? Nous avons de quoi tenir longtemps, Monsieur Luc. Je n'en doute pas, Monsieur O'Toole, mais si je pouvais prévenir la cavalerie... Je crois que j'ai ce qu'il vous faut. Un article nouveau, des feux d'artifice. Monsieur O'Toole, vous êtes un homme précieux. Nous allons envoyer un SOS. Il faut parlementer avec eux. Vous n'auriez pas un drapeau blanc ? Laine, coton, soie, lin. Grand chef Patronymo, nous avons signé la paix. Pourquoi as-tu déterré la hache de guerre ? C'est intolérable. Malgré le traité, les visages pâles viennent massacrer nos bisons. Nous n'avons plus de quoi vivre. Il a raison. Mais pourquoi attaquer un paisible colporteur ? Nos guetteurs l'ont pris pour un tueur de bisons. Ces bandits ont un chariot maintenant. Viens, grand Patronymo, tu verras que ce colporteur n'est pas un bandit. Il est bien ce tapis de sel. Où l'avez-vous trouvé ? Fabrication spéciale de ma tribu. Oh, mais ça m'intéresse. J'échange votre stock contre des boîtes de cornets de bif. La guerre est inévitable à cause des chasseurs de bisons. Nous ne pouvons pas empêcher la racaille de pénétrer sur vos terrains de chasse. Nous les attraperons nous-mêmes, alors. C'est impossible. Patronymo et ses braves doivent rentrer chez eux. Je capturerai moi-même les chasseurs de bisons avant la nouvelle lune et je les livrerai à la justice. D'accord ? Luc, bon. Puisque vous êtes d'accord, fumons le calumet de la paix. Vous n'avez rien contre le tabac de Virginie. Ah, Coyotito est rusé. Il a surpris Luc, le con. Mon fils. Coyotito, mon petit frère de sang. Coyotito est un brave. Il t'aidera à chasser les tueurs de bisons. Emmène-moi. Hugues. Des ennuis, madame ? Nous avons été attaqués par deux bandits. Ils ont volé mon chariot et tout ce qu'il y avait dedans. Et nous faisons des signaux comme les Indiens. Deux bandits, un chariot ? Je suis Andy O'Toole, colporteur, à votre service. Et voici Monsieur Lucky Luke et le jeune Coyotito. Je suis Émilie Petitcourte et voici mon fils Tim. Après la mort de mon mari, j'ai décidé de m'installer dans le vieux ranch que mon oncle m'a légué. Nous allons vous y conduire, madame Petitcourte. Coyotito n'avait jamais vu ce scalpe rouge. D'après mes papiers et la carte, on n'est plus très loin maintenant. C'est là. Les bâtiments doivent être délabrés depuis le temps. Passons par le ranch voisin, ce sera plus court. Bonjour, pouvons-nous traverser ? Demi-tour. Le patron interdit le passage sur ses terres. Mais je suis la propriétaire du ranch voisin, le ranch Fairweather. Vous n'avez qu'à passer par le canyon du Buzzard. On ne peut pas passer. Que faire ?
Jolie et moi pourrions sauter, mais avec vous autres et le chariot chargé, c'est impossible. Je crois que j'ai ce qu'il vous faut. Monsieur Luc, vous pouvez m'aider ? Il suffit de planter deux piquets ici et de tirer sur ce levier là. C'est un prototype qui vient d'Europe. Ils vont construire une tour comme cela à Paris. Mon Dieu, quel état épouvantable! Je n'arriverai jamais à le réparer. Mais je vous aiderai, Émilie. J'ai tout ce qu'il faut. Le totem de ta tribu? D'abord, un bon coup de bol. Arrêtez, Émilie! J'ai ce qu'il vous faut. Un signaux de fumée, visage pâle, pas bon. C'est très simple, il suffit de pousser. En tournant, le balai chasse la poussière dans le sac. Regardez. Vous êtes un homme précieux, Andy. Le plus difficile, c'est pour les bords. Le plus difficile, c'est pour les verres en cristal. De l'eau bien fraîche. Incroyable. Quelque chose me dit que je n'aurai pas le temps de terminer. Pendant que vous finissez les réparations, je pars à la poursuite des tueurs de bisons. Les vautours. Quelque chose me dit qu'il y a des bisons massacrés là-bas. Tiens, des traces de chariot ici, mais c'est pas normal. Suivons-les, Jolie, on verra bien où elles mènent. Tiens, un ranch ici, les traces nous y mènent tout droit. Allons-y, Jolie. Mais je les reconnais. Ce sont eux qui ont attaqué le colporteur au début de l'épisode. On ne passe pas, étranger. Je suis Lucky Luke. Je désirerais voir le propriétaire. Revenez plus tard. Monsieur Badlot est en visite chez les voisins. C'est à moi que le vieux Fairweather a donné son ranch et sa source. Alors fichez le camp, vous n'avez rien à faire ici. Ce ranch et ses terres sont à moi. Mais monsieur Badlot, ce ranch m'appartient. J'ai ici les titres de propriété. Mais montrez-les. Les voilà. Vous ne les avez plus maintenant. Et fichez le camp d'or. Vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est vous qui allez m'en empêcher. Je ne partirai jamais de chez moi. Alors vous y resterez pour toujours. Six pieds sous terre. Faites vos prières. Ça suffit, Badlot. Filez et n'y revenez plus. J'ai pas dit mon dernier mot. Vous aurez de mes nouvelles. Lucky Luke,
Lucky Luco. Merci, Lucky Luke. Vous êtes arrivé juste à temps. Alors ? Des traces suspectes m'ont mené jusqu'à chez ce Badlot. J'ai reconnu les deux bandits qui vous ont attaqué, Andy. Non ! Et qui m'ont volé mon chariot, sans doute. Tu crois, moi ? Je vais y retourner pour voir ce qu'ils complotent. Coyotito, viens avec toi. Non, Coyotito, c'est trop dangereux. Bientôt, nous pourrons nous emparer de... J'ai repéré un énorme troupeau de bisons qui se dirigeait droit vers le canyon du Buzzard. Parfait! Bill, dès demain, tu iras au nord avec tes hommes. Et toi, Hal, au sud, lorsqu'ils passeront au fond du canyon, vous les massacrerez tous! Les Indiens affamés quitteront leur territoire pour de nouveaux terrains de chasse et nous nous emparerons de leurs terres. J'ai appris ce que je voulais savoir. Filons prévenir la cavalerie. Il faut anéantir les bisons. Mais avant tout, débarrassons-nous de ce Lucky Luke et des gens du ranch Fairweather cette nuit même. Rendez-vous, vous êtes cernés. Ils ont dû attraper Lucky Luke. Défendons-nous quand même. Je sais manier un fusil, et Tim aussi. Montons pour tirer du grenier. Mais maman, dans l'obscurité, ils peuvent s'approcher sans risque. Tim a raison, Emily, mais je crois que j'ai ce qu'il faut. Ce sont des feux de Bengale. Il suffira de les allumer et de les lancer tout autour de la maison. On y verra comme en plein jour. Bravo, monsieur O'Toole. S'ils s'avancent à découvert, on les tirera comme des lapins. Avec cette lumière, ils vont nous tirer dessus comme des lapins. Tant pis, vas-y Bill, nous te suivons. Ils ont failli m'avoir. Finissons-en! Déployons-nous et attaquons tous ensemble! Après tout, il n'y a que Lucky Luke! Les autres, ça ne compte pas! Courage, Andy! Tirez! Retraite, général! Lucky Luke en prisonnier! Les feux bientôt s'éteindre! Coyotito va chercher l'aide du grand chef Patronimo. Oh, merci, Coyotito. Tu es un brave. Nous tâcherons de tenir jusqu'à l'arrivée de monsieur Patronimo. Rendez-vous! Vous n'avez aucune chance! Livrez-nous Lucky Luke et nous vous laisserons partir sains et saufs. Mais alors, où est monsieur Luke? Oh, laissons-les croire qu'il est avec nous. Sinon, nous n'avons aucune chance. Lucky Luke ne se rendra pas, et nous vous attendons de pied ferme. Ah ! Vous l'aurez voulu ! À l'attaque ! Ah, bravo Andy, vous avez failli l'avoir. Ce Lucky Luke n'est pas si bon que ça. Il m'a raté. Ah, oh. En tout cas, celui-là ne vous a pas raté, patron. Les Indiens, nous sommes perdus! Les Indiens, oh, nous sommes sauvés! Vite les chevaux et filons par là! La cavalerie! La cavalerie! Ils sont pris entre deux feux! Nous sommes pris entre deux feux! Rendons-nous! Lucky Luke! Alors vous n'étiez pas dans le ranch? Tu ne mourras pas, Lucky Luke! Vous
Mission accomplie, Lucky Luke. Nous savons qui massacrait les bisons et pourquoi. Plus rien maintenant ne s'oppose à la paix. Croyais-tu tôt mon fils à capturer le chef des bandits? Notre ami n'a pas été mal non plus. Moi, oh mais je ne suis qu'un paisible colporteur. Madame, je vais livrer ces bandits à la justice. Vous êtes désormais en sécurité chez vous. Merci, colonel. Vous ne voulez vraiment pas participer à notre petite fête? La cavalerie n'arrête jamais, madame. Il y a toujours, quelque part, quelqu'un qui nous attend. Tu as de la chance, finalement. C'est bien, la vie d'aventure. Le confort aussi, c'est bien. Mais quelque chose me dit que je ne resterai pas longtemps ici. Oh, c'est le dernier modèle importé d'Europe. Ça va mettre un peu d'ambiance. Fais semblant d'aimer ça, mon fils. Coyotito aime. C'est farmeux. Venez faire un pas de danse, Andy. Vous êtes un homme précieux, Andy. Vous savez tout faire, et même danser. Tiens, mais que faites-vous? Ah, mais je m'en vais aussi, monsieur Luc. Mais pourquoi? Vous êtes bien ici. Oh, je reviendrai, mais je suis un colporteur, pas un fermier. Ils ont besoin de vous. C'est vrai, mais tout le monde a besoin de moi et de mes marchandises. Et moi aussi, je suis une légende de l'Ouest. Au revoir! À bientôt! C'est ici que nos routes se séparent, colporteur. Bonne chance! J'ai eu de la chance de vous rencontrer, monsieur Luc. Au revoir! There, guys.